Bon, voilà, on commence à enregistrer aujourd'hui, vendredi saint. Écoutez, j'ai fait un clip vidéo ce matin sur Facebook. Je vais le mettre sur YouTube. C'est écouter, c'est pour écouter, c'est pas pour me regarder, là. Parce que si vous me regardez, écoutez, il n'y a rien à voir là. Mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire, par exemple. Parce que ça, c'est quand même très important. Et je vais débuter immédiatement l'enregistrement pour voir ce que vous pouvez faire avec ça, là. C'est bon? Donc, on commence. Salut tout le monde. Aujourd'hui, vendredi saint. Écoutez, ils viennent de passer la fameuse loi sur le cannabis, là. Ça a été adopté hier, ou je pense que ça a été déposé hier. J'écoutais la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, qui parlait justement de quelle façon ils vont utiliser, ils vont permettre la consommation. C'est certain qu'ils ne permettent pas la distribution, c'est-à-dire le commerce. Le commerce ne sera pas ferme. On parle du cannabis. Le gouvernement fait ça parce qu'il a besoin d'argent. Il veut retirer des taxes et des impôts là-dessus. C'est certain qu'il essaie de circonscrire le commerce de la drogue, donc du cannabis, pas de la cocaïne ni de l'opium ou quoi que ce soit, mais du cannabis. Et pour se rendre à l'opium, mais justement à la coke et tout ça, à mon avis, à moi, il faut qu'il y ait un début. Donc, les gens ne commencent pas à consommer directement de la drogue dure. Ils commencent par le cannabis, puis ils vont plus loin. D'après ce que disait Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, ben, le Barreau du Québec a embarqué solidement dans ce projet-là. C'est certain, il y a une gang de poteux à l'intérieur de ça. C'est tout le monde qui a de l'argent. Les juges fument du pot en masse, les avocats, les notaires. Il y a une gang de fumeux de potes là-dedans. Et ces gens-là ont les moyens de se payer de la coke pure. Ils ont les moyens de se payer de l'opium ou n'importe quoi. Donc, faites-vous-en pas. Ces gens-là peuvent même s'approvisionner dans les pharmacies, j'en suis certain. Je suis certain que ces gens-là ont toutes les capacités nécessaires pour pouvoir consommer eux-mêmes cette drogue-là. Et s'approprier aussi. Écoutez, c'est pas de la boisson. On regarde actuellement la boisson à l'alcool. Hein? L'alcool, c'est criminel au volant. Le gouvernement tire des taxes. C'est criminel au volant parce qu'ils disent que quelqu'un qui est pris en état d'ébriété perd son permis de conduire. Il peut même avoir un dossier judiciaire. Il peut pas sortir du pays. Et c'est pourtant, la consommation de l'alcool est permise. Pourquoi? Parce que ça rapporte des taxes au gouvernement. Seulement pour les taxes et les impôts. On est un village ici, on est 36 millions, on est moins populeux que Tokyo. J'arrêterai jamais de le dire. On est moins populeux que Tokyo, qui est une ville. C'est pas un pays, Tokyo, c'est une ville du Japon. Alors que le Canada, c'est le deuxième pays le plus grand au monde. Ici, on parle de séparatisme, on parle de tout ça, alors que tout le monde fume du pot ici, puis sont contents que Trudeau, un Québécois, qui est premier ministre à Ottawa, fasse passer justement ce projet de loi-là pour permettre aux gens ici de consommer, de pouvoir semer deux, trois plants chez eux et tout ça, de façon à ce que le gouvernement, éventuellement, vont pouvoir retirer des taxes et des impôts. Première des choses, dites-vous bien une chose, le gouvernement sait qu'il n'y a pas de loi ici. Il n'y a aucune loi ici. Et là, ben, je vais vous expliquer les lois en question qui dit qu'il n'y a pas de loi. Parce que la loi elle-même a été écrite, a été tout simplement adoptée pour dire qu'elle n'est pas une loi. Il y a la loi de 1980, chapitre 39, la loi LQ, loi du Québec, pas LRQ, pas loi refondue du Québec, non, la loi LQ. Loi du Québec, automatiquement, ce n'est pas une loi. Chapitre 39 de 1980, c'est avant le rapatriement de la Constitution en 82, qui dit qu'il n'y a pas de date d'adoption, il n'y a pas de date de sanction et il n'y a pas de date d'application des lois, entre autres du Code civil du Québec. Et pourtant, le Code civil, la nouvelle réforme du Code civil a été adoptée en 1981. Et quand il y a
rappeler le Code civil, ils ont supprimé le Code civil du Bas-Canada de 1866, qui se trouve être le droit commun, qui date de loin, ça date de l'Allemagne. Là, vous savez, là, quand on dit « l'ont adopté », c'est bien dit dans la loi 39 qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date d'adoption. C'est la chose la plus principale, c'est une date. La date, ça veut dire la signature. C'est comme une signature. Il n'y a même pas de date. Puis j'ai oublié de vous parler aussi de la loi fédérale qui chapeaute la loi LQ, chapitre 39. La loi fédérale, c'est la loi Z03 qui fait des lois non législatives. Donc, le Parlement canadien, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale du Québec et toute cette forme de législature anticonstitutionnelle n'ont pas de loi législative. Les lois ne sont pas législatives, puis pourtant, loi, c'est synonyme de législature. Donc, il n'y a pas de loi, parce qu'il n'y a pas de législature. N'oubliez pas que c'est des juges qui le savent. Ils ont étudié, eux autres, à la faculté de droit, à l'université et à l'école du barreau. Et l'école du barreau leur dit ça. Et ces gens-là exercent une profession complètement criminelle parce qu'ils savent eux-mêmes ce qui se passe. Qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit, il n'y a absolument rien ici. Donc, on continue. Magna Carta de 1215 de Jean Santerre. Donc, première des choses pour dire qu'il n'y a pas de loi ici au Québec, c'est la loi LQ chapitre 39. Et automatiquement, par cette loi-là, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est interreliée au Code civil du Québec, cette charte-là, c'est la loi chapitre 12 de 1975. Elle est quasi-constitutionnelle, donc... Excuse, j'ai dit chapitre 12, c'est la loi chapitre C12. C'est pas chapitre 12, j'ai fait une erreur. Donc, c'est le chapitre C12 de 1975, qui est une loi qui a été déclarée par l'avocat Benoît Pelletier, qui est avocat professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, qui dit que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est quasi-constitutionnelle, donc elle n'est pas constitutionnelle, elle devient automatiquement illégale et illégitime. On continue. Automatiquement, elle n'est pas constitutionnelle. Mais les avocats ont cette facilité d'arriver puis faire appliquer quelque chose qui est quasi-constitutionnel, qui est quasi-légal, qui est quasi-légitime. Vous comprenez? Puis nos imbéciles de députés qui connaissent absolument rien, qui ont souvent, ça sort de je sais pas quelle poubelle. Mais ces gens-là, on les adopte. Ici, on va voter pour eux autres. C'est ces gens-là qui mènent la pluie et le beau temps ici. Moi, j'en ai deux ici. Denis Paradis, du fédéral, puis Pierre Paradis, de la circonscription électorale, Bromiscois, qui est du Parti libéral, Pierre Paradis. Vous savez son histoire. Nous, on n'en parlera pas. Ça nous concerne pas pour tout de suite dans le dossier. Mais ces gens-là ont absolument rien fait pour moi en 2004. Quand j'ai gagné devant la Cour du Québec, quand j'ai gagné devant la Cour municipale de Montréal, quand j'ai gagné devant la Cour supérieure, pour faire reconnaître l'article 1 du Code civil, qui n'est pas une loi, et pour faire reconnaître l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975, qui n'est pas aussi une loi, à cause de la loi chapitre 39 de 1980. Donc, quand on dit l'article 1 du Code civil et de la Charte, ça dit que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc, quand vous allez en cause, si vous n'avez pas d'avocat, automatiquement, vous parlez pour la personnalité juridique qui a un numéro d'assurance sociale. Dans mon cas, moi, c'est Jacques Normandin, 231-249-525. Ça, c'est pas baptisé. Ça ne se baptise pas. C'est un bout de papier avec un numéro d'assurance sociale, 231-249-525. Donc, votre nom courant, c'est votre numéro d'assurance sociale, vous êtes des choses, des objets, on peut vous appeler Monsieur Chose ou Madame Chose ou Mademoiselle Chose, c'est tout pareil. On continue. Et là, mais il ne peut pas absolument rien faire, puis parce que j'ai gagné en cours, j'ai voulu faire reconnaître l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain, Jean-Joseph Pierre-Antoine, possède la personnalité juridique Normandin 231-249-525. Mais ça, en obligeant le gouvernement à reconnaître ça comme ça, écoutez, vous n'avez plus le droit de vous présenter tout seul devant le juge, comme un imbécile, parce que vous ne connaissez pas vos droits, puis le juge va dire, vous vous représentez vous-même, monsieur ou madame,
Le mot représenté dans le dictionnaire de droit québécois et canadien, c'est parler au nom et pour le compte de quelqu'un d'autre. J'ai mon ami Paul Leblon qui a perdu sa maison l'année passée. Il a passé devant le juge Journet. Okay? Je pense que c'est Pierre ou quelque chose de même, de Laval. Et puis, il avait passé le juge devant le juge Jean-François Michaud. Et ces gens-là sont méprisables de faire la preuve de la constitutionnalité de la Cour supérieure fédérale qui s'exerce ici au Québec. C'est le tribunal du Québec de la Cour supérieure qui est une juridiction fédérale. Puis le juge Michaud n'a même pas l'air de faire la preuve de la légalité, de la légitimité, de la constitutionnalité de sa cour. Mais par contre, toute la démarche du mouvement des Jardins, des caisses populaires des Jardins pour voler la propriété de Paul Leblon s'est finalisée l'automne passé. Et Paul Leblon, avec son épouse, ont perdu leur propriété parce qu'ils n'ont pas voulu faire la preuve que l'argent que le mouvement des Jardins a prêté sur cette maison-là, c'est de l'argent NSF sans provision. Faites un chèque sans provision, vous, ça va vous coûter cher. Ben, le mouvement des Jardins a le droit de faire ça continuellement. Il fait ça pour toutes les prêts bancaires et c'est le même pour toutes les banques, pour la Banque Royale, la Banque Nationale, la Banque de Commerce, la Banque Toronto-Dominion. C'est le même pour toutes les banques qui sont membres de l'Association canadienne des paiements. Donc, si on revient à nos moutons, ben, on peut dire tout simplement que le commerce du pot, est-ce qu'il va être enrayé tout simplement ici, puis que ça va faire quelque chose de mieux en légalisant la consommation de maïs joana, tout en interdisant le commerce, mais ça va rapporter des taxes et des impôts hors la loi que les juges vont juger, qui sont eux-mêmes hors la loi. Vous comprenez? Les juges hors la loi vont juger ceux qui commercent le pot hors la loi. Puis, c'est pas compliqué. Vous savez, mon avocat, Michel Lebrun, quand j'ai passé en cour, quand j'étais emprisonné, le 12 décembre 2014, avait déposé à la cour et avait fait la preuve que la Cour du Québec de 1988 est illégitime, illégale et inconstitutionnelle. Et écoute, les avocats qui étaient là, ainsi que les juges qui se sont mêlés à ce dossier-là, autant à la Cour supérieure que la Cour du Québec, ont tout simplement ignoré ça. Ils ont complètement ignoré le fait que l'avocat lui-même du barreau du Québec a été assez honnête, brillant et, écoute, honorable pour dire que lui-même, dans sa profession, il sait que l'institution des tribunaux judiciaires est complètement délinquante. C'est une institution délictuelle qui n'a pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi, il n'y a rien ici. On continue. Soit les Hells ou peu importe. Peu importe le gang qu'on dit ou qu'on juge criminalisé, ces gens-là, ils se foutent carrément que ce soit hors la loi ou non, ils sont pas en train de se défendre, ils vont voir les bâtards d'avocats pour dire à un avocat, la loi du bord du Québec, la loi B1, qui n'est pas une loi, qui crée des juges qui vont vous juger, parce qu'oubliez pas que ici au Québec, quand on parle dans les tribunaux judiciaires, c'est pas des juges d'Ontario, là. Qui viennent siéger devant les tribunaux judiciaires ici. C'est les juges qui sortent du barreau du Québec, membres du barreau du Québec, puis par la loi, par cette fausse loi-là, qui est fictive, qui est imaginaire, qu'on appelle une loi aliquide, mais cette loi-là dit que l'avocat doit avoir pratiqué 10 ans pour pouvoir ensuite de ça rendre un jugement, juger et être juge. Ces gens-là sont au-dessus de tout. Ils ont le droit de vous dire qu'il n'y a pas d'égalité. Ils se ferment. Ils sont obligés de se taire sur le fait que écoutez, ils sont au-dessus de tout. On a parlé dernièrement de l'immunité, de l'impunité des juges. Et puis, Coiteux, Lessard et Couillard se sont levés contre ça publiquement en disant « Non, non, l'immunité, ça n'existe pas. C'est complètement faux. L'immunité, ça existe. » Et là, actuellement, Nathalie Normandeau, à ce que je sache aujourd'hui, avec 5 autres personnes là, qui ont passé à la commission Charbonneau, ben, il n'y aura pas d'enquête préliminaire sur leur dossier. Et vous allez voir que ça va être... très, très rapide, ce dossier-là, de façon à ne pas toucher à Jean Charest, qui a volé le Québec, qui a volé le Canada, un bandit de la pire espèce, et il est protégé par l'administration de la justice et l'article 168 du Code de procédure civile qui attribue l'immunité
à tous ces gens-là. Puis ça, ça débute depuis la loi 53, l'arrêté en conseil 53 de 1897 du Québec, qui accorde l'immunité et l'impunité à tous les juges, magistrats et politiciens qui violent la Constitution du Canada. Oubliez pas ça, chapitre, l'arrêté en conseil, chapitre 53 de 1897. On continue. Les tribunaux judiciaires sont anticonstitutionnels, illégitimes, illégaux. Donc, si c'est comme ça, on est en danger ici. Un petit peuple, une petite société derrière un village de 36 millions au Canada, moins populeux que Tokyo, qui a, alors que le Canada, il y a 5 000 municipalités, il y a 5 000 corps de police municipaux ici. Écoutez, il y a la gendarmerie royale, il y a l'armée canadienne, il y a tout ce que vous voulez ici pour l'équivalent d'un village de 36 millions au Canada, qui est moins populeux que 40 millions de population dans la ville de Tokyo. Où on est rendu, où on s'en va avec nos skis? Hein, imaginez-vous, l'alcool, on a le droit de la consommer, mais on n'a pas le droit de la commercer, on n'a pas le droit d'en faire, de faire de l'alambic. Ça, c'est tout interdit. Les cigarettes, c'est la même chose. Pourtant, sur les réserves, c'est drôle que les réserves, les autres peuvent vendre des cigarettes, puis ils peuvent en commercer, puis le gouvernement ne sait pas quoi faire avec ça. Hein, parce que c'est les Premières Nations. Mais nous, ici, les colons, les imbéciles, les idiots, ceux qui ont monté ça ici. Mais nous autres, aujourd'hui, on est pénalisés chaque fois qu'on fait un pas en avant. Parce que le gouvernement a adopté une loi sur le cannabis. Il adopte une loi qui nous permet de, aujourd'hui, de consommer du cannabis, mais pas le commercer. Parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? Des taxes et des impôts. Puis pourtant, moi, j'ai une solution à ça. Tu taxes 2% de toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements. Quand je dis transactions, les achats et les ventes, les revenus et les dépenses, tout ce qui est sur une lettre de change, même s'il n'y a pas de billet de banque, même si c'est de l'argent NSF sans provision, le gouvernement a seulement taxé 2% de toutes les transactions à l'Association canadienne des paiements. Puis à la fin de l'année, au lieu de ramasser 600 milliards en taxes et en impôts de toutes sortes pour tout le Canada, il va ramasser 1300 milliards de dollars. Hein, c'est beau, hein? Donc automatiquement, tu n'as pas besoin de taxer les cigarettes, tu n'as pas besoin de taxer la boisson. Tu n'as pas besoin de prendre l'impôt sur le revenu des pauvres qui, eux autres, là, travaillent au salaire minimum. Quand on sait que quelqu'un qui travaille dans un bar actuellement, il a 9,45 $. Imaginez-vous. Puis son pourboire par les merdes, les modules d'enregistrement des ventes, mais automatiquement, les pourboires des gens qui travaillent dans les bars, dans les pubs ou quoi que ce soit, bien, c'est taxé. Le gouvernement va chercher de l'argent de ces gens-là, hein, sur leur pourboire, alors que ceux qui ont de l'argent ont les moyens de payer, hein, des voleurs de fiscalistes ou d'avocats ou de notaires ou quoi que ce soit pour placer leur argent dans des paradis fiscaux, pour placer leur argent dans des comptes offshore, dans des fondations, dans des fiducies après, des fiducies anonymes, dans toutes sortes. Écoute, ils mettent leur argent partout à l'extérieur du Québec, du Canada. Si on abolissait l'impôt sur le revenu, automatiquement, tout l'argent placé à l'étranger dans les paradis fiscaux reviendrait ici. Parce que les gens qui sont intelligents, qui ont protégé leur argent à l'étranger, dans des banques étrangères, dans des paradis fiscaux, n'auraient plus à craindre des lois hors la loi, des bandits qui nous gouvernent. Même les bandits qui nous gouvernent ont leur compte de banque dans les paradis fiscaux. Ici, pour le Québec, ils placent leur argent au grand duché du Luxembourg. Nos ministres et députés. Ceux qui ne le font pas, c'est d'autres imbéciles. C'est des imbéciles. C'est eux autres qu'on a élus. Puis au fait, voir des élections dans un an et demi, pensez à moi. Parce que là, présentement, là, je place mon nom pour différents partis, sauf les partis de sottises et d'imbéciles comme Québec solidaire, la CAQ, le Parti libéral et le Parti québécois. Ça, j'en parle pas là-dedans. Mais les autres partis, si vous voulez avoir un coup de main, si vous voulez être bien informé, comprendre qu'est-ce qui se passe ici, vous comprenez, pour pouvoir permettre aux gens de vivre comme du monde. Il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus des gens là, qui travaillent des bars à 9,45 $ alors qu'on est rendu à des logements décents. Là, c'est pas en bas de 800-850 $ par mois.
avec des skis avec 9,5 de l'heure, puis des pourboires qui sont taxés. Puis je regarde Diane Leboutillier, c'est pas un avocat, ça. Elle, je pense qu'elle travaillait dans les arts ou quoi que ce soit. Elle vient des îles de la Madeleine. Et quand j'ai téléphoné à son bureau, ben, ils ont dit non, nous autres, on s'occupe pas de ça. Donc, le député, lui, même s'il devient ministre, s'il devient ministre, dans sa circonscription, c'est bien dit que les gens s'occupent seulement de l'intérêt de la circonscription électorale. Ils ne s'occupent pas du ministère et du ministre qui s'occupe justement d'un ministère et qui vient de votre circonscription électorale comme député. Non. Donc, moi, ici, Pierre-Rogier veut rien savoir de moi, là, c'est certain. En 2008, je me suis présenté contre lui comme candidat indépendant. Mais j'ai rencontré son frère Denis. Puis Denis m'a dit, écoute, je suis sous serment de confidentialité. Ben oui, c'est la loi O5 de 1985 sur le silence à perpétuité qui leur interdit à ces députés-là de dire tout ce que je vous dis actuellement, qu'il n'y a pas de loi ici, que les médias, quand ils disent « Ah, telle loi, il n'y en a pas de loi. » Mais quand les médias vous disent ça, pourquoi? C'est parce qu'automatiquement, ils se sont fait dire par les avocats qui contrôlent la désinformation, aller jamais dire ce que dit M. Jacques-Joseph Pierre-Antoine sur Facebook ou peu importe, sur YouTube ou quoi que ce soit. Dites jamais ça. Faut pas informer notre population d'imbéciles, hein? Notre population du pain et des jeux. Non. Là, regardez, il y a toutes sortes de choses qui brassent actuellement. Un jour ou l'autre, j'espère que vous allez revenir sur la planète, là. J'espère que les gens vont s'amuser un peu et vont comprendre qu'on n'est pas des déchets. Moi, en 2004, le gouvernement a fait de moi un déchet. Je suis pas capable d'avoir mon fonds de pension. J'ai 66 ans. Pas capable d'avoir mon fonds de pension. Pas capable d'avoir un permis de conduire. Pas le droit d'avoir une voiture. Hydro-Québec a brisé mon bail que j'avais depuis 2002. Ils ont cassé mon bail le 27 juillet 2015. Il a fallu que je fasse de la prison pour l'impôt alors que c'est bien écrit dans la loi d'impôt sur le revenu, la loi I3, loi qu'on prend, loi autre que loi du Parlement du Québec. J'ai voulu dire au juge, le juge ne voulait pas m'entendre, pas tout. Pourquoi? Parce que la Cour du Québec, la Cour, les tribunaux administratifs, la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour suprême, toutes les cours, ils sont tous enregistrés au bureau du registraire des entreprises de Revenu Québec, hein, de Revenu Québec, puis ils sont assujettis aux politiques de Revenu Québec. Il n'y a pas de loi. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Pensez-vous que le juge, lui, va arriver et va travailler contre le registraire qui a créé son tribunal, qui a incorporé son tribunal? Donc, le juge, il se fend la gueule, carrément. Parce que lui, c'est son salaire de 450, 500, 600 000 piastres qu'il va avoir. Puis là, ben, le gouvernement va aller chercher encore 300, 400 juges, encore de plus, pour dire, regarde, là, il y a eu l'arrêt Jordan, là, dernièrement, là, qui ont parlé, là. Parce qu'aujourd'hui, ben, coudonc, la prescription, c'est la procédure qui compte. C'est pas vos droits, c'est pas le droit commun, c'est pas le code civil, c'est pas le droit privé. C'est le droit commercial et le droit criminel qui est en dehors du droit commun, qui est en dehors du code civil. On appelle ça du droit statutaire. Et c'est ça qui a créé des tribunaux d'exception. Donc, un tribunal d'exception, c'est un tribunal illégal, anticonstitutionnel et illégitime. C'est pour ça que le juge Michaud, là, je le fais circuler, là, présentement, là, sur Facebook, je fais circuler ça sur YouTube, comme quoi les tribunaux ici n'ont aucune juridiction légale, aucune juridiction légitime, aucune juridiction constitutionnelle. C'est des tribunaux statutaires d'exception. Et ces gens-là, c'est des commerçants du crime, parce qu'eux autres vont te punir, parce que tu commerces des produits criminalisés. Hein? Tu le commerces, mais le gouvernement tire des taxes dessus. Si tu n'as pas de taxes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas commercer. Il faut que le gouvernement ait des taxes sur n'importe quoi. Même si tu vends des armes, même peu importe. Tout ce qui est criminalisé, pourvu que le gouvernement ait des taxes là-dessus, la boisson, les cigarettes, la pote, n'importe quoi. Tantôt, ça va être de la coke, puis n'importe quoi. Pourvu que le gouvernement ait des taxes, c'est tout. Il n'y a pas de loi. Écoutez, là-dessus, là, j'en ai plein le derrière, là. J'espère que vous allez être assez intelligent. Pour faire circuler ce que je vous dis là. J'espère. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. C'est la semaine sainte aujourd'hui. Écoutez, là, cette semaine, c'était la semaine sainte. Dimanche, c'est Pâques. C'est la foi catholique, hein? Pâques, c'est notre plus grand
l'événement le plus important dans l'Église catholique. Fait qu'allez donc prier pour moi, allez à l'Église. Donc, priez pour vous et priez pour moi de façon à ce que, éventuellement, je puisse vous aider et compléter ce qu'on a à faire pour servir. Moi, je suis là pour vous servir, pour servir notre société. Parce que, même si je dis que vous êtes des imbéciles, c'est pas de votre faute si vous êtes des imbéciles. Pas de votre faute. C'est la faute de vos gouvernements qui refusent de vous enseigner. Moi, j'ai travaillé et je travaille acharnement à étudier toutes sortes de choses qui fait qu'aujourd'hui, si je le rends public, puis que les gens se placent dans mon dos, on peut jeter le système à terre. C'est certain que ça ne m'intéresse pas de jeter le système à terre. Je viens de me tirer dans le pied. Mais ça prend de la correction, par exemple. Il faut corriger le système. Et ça, je suis capable. Croyez-moi, je suis capable. Là, il n'y a pas de problème. Donc, là-dessus, joyeuse Pâques. Et répondez-moi, puis faites partager ce document-là partout où vous voulez. Partout, partout, partout. Merci.